Bonjour, je m'appelle Eleni. Je suis en classe 2B5C. J'ai 10 ans et j'apprends dans l'école collège Notre-Dame du Balaman. Bonjour, je m'appelle Mathia Tannous. J'ai 11 ans, je suis en EB5C en école de collège Notre-Dame du Balaman. Enchantée, je suis Vanessa Bess. J'ai 11 ans. Je suis de l'école collège Notre-Dame du Balaman de la classe EB5C. Bonjour, je suis Cynthia Haj, j'ai 11 ans, de l'école Collège Notre-Dame du Balaman en classe EB5C. Bonjour, je me suis installée sur la planète X. Je m'appelle Eleni Jenny et je suis un concepteur d'immeubles pivotants. Salut, je m'appelle Matiflore, je suis une habitante de X. Mon travail est paysagiste urbain. Salut, je suis Vanessa Refuge. J'habite sur la planète X. Je suis chargée des refuges nénuphars. Bonjour, je suis Cynthia Vigier. J'habite dans la planète Tixi. Mon travail est chef de vigie de la ville. Mon travail consiste dans la surveillance des villes équipées de caméras et d'une connexion Internet au débit pour assurer la sécurité des habitants. Toute la ville est pilotée et surveillée par ordinateur. Police, hôpitaux et pompiers sont reliés au réseau de la ville et interviennent automatiquement. En cas d'urgence, on peut diriger à distance les centrales électriques solaires, éoliennes et géothermiques, les trains, les bus et les voitures autonomes municipales. Mon équipe peut aussi intervenir pour les gens ou les objets perdus via le téléphone portable géolocalisé. Dans nos villes, le problème est qu'il y a beaucoup de gens dans un petit espace et un grand nombre de voitures, camions, industries qui sont une source de pollution. Du coup, les habitants souffrent d'asthme, d'allergie, de dépression. Nous manquons donc d'espaces verts, de végétaux pour filtrer cette pollution et égayer le quotidien. Mon travail est d'encourager les habitants à végétaliser leur habitation en ville. Je leur propose un large choix de végétaux et d'herbes aromatiques qui peuvent améliorer leur bien-être. Toutes mes expériences ont montré que le bon usage des plantes renforce le système immunitaire et leur simple vue rend les gens de bonne humeur. Ajoutez à cela, les végétaux attirent les insectes en voie de disparition, comme l'abeille. Une ruche peut être aménagée sur le toit et produire du miel pour tous les résidents. Je suis chargée des refuges nénuphars qui ont pour but d'abriter des gens qui ont perdu leur maison suite à une guerre ou une catastrophe naturelle. Ces refuges se trouvent dans tous les océans, mers et fleuves. Ce sont des villes à part entière en forme de nénuphars. Elles se déplacent le plus souvent en se laissant porter par les courants marins. Mais elles peuvent aussi être dirigées grâce à des moteurs si besoin. Elles sont autonomes sur le plan énergétique. Nous captons l'énergie solaire, éolienne, géothermique et nous récupérons la chaleur de l'incinération des déchets. Les réfugiés participent temporairement aux activités agricoles, artisanales, éducatives selon leurs compétences pour financer leur nouveau logement. De plus en plus de personnes vivent dans des gratte-ciels et perdent le contact avec la nature. Pourtant, les appartements ou les bureaux jouissent très souvent d'une vue panoramique
soit sur l'océan, soit sur la montagne. Les habitants n'en profitent pas, car ils passent la majorité de leur temps de détente dans la même pièce. J'ai donc conçu un immeuble avec des étages pivotants et des baies vitrées intelligentes. Chaque étage de la tour tourne sur lui-même selon la volonté de ses occupants, qui le commandent à la voix. Ainsi, ils changent de panorama et font varier la forme de l'immeuble. Les parois sont transparentes pour faire entrer un maximum de lumière et éviter les éclairages artificiels. De plus, elles contiennent des cristaux liquides qui peuvent les rendre soit opaques pour plus d'intimité, soit lumineuses la nuit.